Avec le Gall, juste après. Ils sont là. Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, mesdames les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, madame la directrice représentant la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, monsieur le président du CNES, monsieur le président directeur général de l'INSERM, messieurs les directeurs et inspecteurs d'Académie, chers confrères, chers consoeurs, chers collègues, chers professeurs, chères lycéennes et chers lycéens, mesdames et messieurs, nous plaçons aujourd'hui cette séance sous la coupole dans le cadre général de la fête de la science, un peu en avance de phase, très légèrement, par rapport aux nombreux événements du prochain week-end. C'est la fête de la science, mais la science est une fête avec cette séance exceptionnelle autour du spationaute de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet était déjà présent virtuellement avec nous sous cette coupole le 6 décembre 2016. Il était alors dans la Station spatiale internationale en duplex, interrogé par les lycéens et les lycéennes. Une très grande première dans l'histoire de cette coupole et je me rappelle très bien toutes ces belles questions qui vous avaient été posées. Tout le monde se souvient du moment où vous vous êtes retrouvés horizontalement sur notre écran. Nous nous étions promis de renouveler ce rendez-vous après votre retour sur Terre, et c'est aujourd'hui chose faite. Thomas Pesquet, d'ailleurs, a reçu les journalistes tout à l'heure dans les murs de l'Académie. Merci à Thomas d'avoir accepté de nous rejoindre à cette occasion. Et juste quelques mots sur votre parcours qui est impressionnant. Vous êtes ingénieur super-héros à Toulouse. Vous avez passé un an à l'École polytechnique de Montréal. Vous parlez, en plus du français, l'anglais, l'allemand, le russe et l'espagnol. Vous pratiquez le parachutisme, la plongée et le judo. Vous êtes membre de la 3AF, c'est l'Association aéronautique et astronautique de France, et de l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, et moi aussi d'ailleurs. Vous avez travaillé chez Thales Alenia. J'ai beaucoup d'amis dans cet endroit. Vous avez été à GMV à Madrid, au CNES à Toulouse. Vous devenez pilote de ligne et cumulez 2000 heures de vol chez Air France sur des Airbus du 318 au 320 et vous êtes instructeur 320. En 2009, candidat au corps européen des astronautes, vous faites partie des 6 candidats retenus parmi les 8413 postulants. Et à partir de 2010, vous suivez un long programme d'entraînement qui vous mène à cette remarquable aventure, et vous nous en direz beaucoup plus tout à l'heure. Donc vous êtes accompagné par un cosmonaute, Oleg Novitsky. Vous avez remarqué qu'en France on dit spationaute et en Russie on dit cosmonaute, pour dire à peu près la même chose, pas tout à fait quand même. Donc, commandant du Soyouz, avant de vous donner la parole, nous aurons des interventions de nos secrétaires perpétuels, puis des présidents de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et du CNES, le Centre national d'études spatiales. Je vous souhaite à tous une excellente séance. Je...
Je donne la parole à Catherine Bréchignac, notre secrétaire perpétuelle de la première division. Monsieur le directeur de l'INSERM, directeur général, monsieur le président du CNES, chers confrères, chers consoeurs, chers amis et surtout chers lycéens, car cette coupole est pour vous. Chers astronautes et cosmonautes, puisque nous avons non seulement Thomas Pesquet, mais aussi Oleg Novitsky, le commandant de bord du vaisseau Soyouz. Nous avions tous ensemble pensé qu'il serait bon d'avoir le président de la République parmi nous aujourd'hui, mais il ne peut pas être là. Cependant, il m'a envoyé un message et il m'a demandé de vous le lire. Donc voici le message du président de la République. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être à vos côtés pour célébrer la 26e fête de la science sous la coupole de l'Institut de France. Mes désengagements pris de longue date me retiennent à Francfort, en Allemagne. Toutefois, je vous sais entre de bonnes mains. La marraine de la fête de la science 2017, Estelle Mosley, championne olympique de boxe, est aussi ingénieure en informatique. Et l'astronaute européen Thomas Pesquet est présent aujourd'hui pour vous, pour nous faire partager son extraordinaire expérience au sein de la Station spatiale internationale. Vous bénéficiez également d'un hôte de choix. Voici plus de 350 ans que l'Académie des sciences nous offre d'incroyables avancées scientifiques. Poursuivant sa glorieuse tradition, cette belle maison encourage la vie scientifique, la production de connaissances et permet d'éclairer les pouvoirs publics de son expertise et de ses conseils avisés. Créée à l'initiative d'Hubert Curien, membre de cette académie, alors ministre de la Recherche, la fête de la science a pour objectif de rapprocher les citoyens de la science. En écho à la culture scientifique, elle nous invite à questionner, observer, expérimenter, échanger, pour comprendre l'impact de la science sur notre quotidien. Profitons de cet événement pour favoriser la transmission de la connaissance scientifique, mais aussi pour être attentifs au regard que notre société lui porte. C'est pour renforcer les liens entre science et société que Thomas Pesquet présente avec conviction les résultats des expériences scientifiques développées par le CNES et l'INSERM au sein de la Station spatiale, sous l'égide de la NASA et de l'ESA. La plupart d'entre vous avaient eu la chance d'échanger avec lui alors qu'il était encore dans l'espace. Mais les expériences ne s'arrêtent pas à l'atterrissage de la capsule Soyouz. Cette nouvelle édition de la Fête de la Science vous offre donc une possibilité d'en apprendre plus. L'investissement dans l'exploration spatiale est essentiel, tant pour accroître nos connaissances fondamentales sur l'univers que pour les retombées scientifiques qui en découlent. Elles constituent un levier pour notre industrie et induisent des changements majeurs dans notre vie quotidienne. Le développement du GPS, des microprocesseurs et des ordinateurs, du premier cœur artificiel, ou plus étonnant, des canaux de sauvetage, a été rendu possible grâce aux programmes spatiaux. Soyez donc assurés de tout mon soutien pour l'avancée de la recherche spatiale européenne. Tout comme vous, j'en suis sûre, l'aventure de Thomas Pesquet m'a fait rêver et m'a rendue fière. J'espère qu'elle suscitera aussi des vocations scientifiques parmi les élèves présents aujourd'hui. Développer une culture scientifique, c'est pouvoir faire des choix basés sur la connaissance et non sur la croyance, et ainsi disposer des clés pour exercer son rôle de citoyen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de la science sous la coupole de l'Institut de France. Emmanuel Macron. Donc je donne la parole maintenant à Pascal Cossard, qui va nous dire quelques mots. Pascal Cossard est secrétaire perpétuel de la deuxième division. Merci. Messieurs les présidents et vice-présidents de l'Académie des sciences,
Madame le secrétaire perpétuel, monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents et directeurs, chères consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, cher Thomas Pesquet. C'est un très grand plaisir aujourd'hui. En coopération avec l'INSERM et le SNES, nous sommes vraiment enchantés et honorés de vous recevoir ici sous la coupole. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler de votre aventure extraordinaire dans la Station spatiale internationale, aventure qui a tant fasciné pendant des mois, jeunes et moins jeunes, comme vous le savez parfaitement. Votre aventure fascine car elle est unique. Que dis-je, exceptionnelle. Pour la scientifique que je suis et qui plus est biologiste, elle est très importante à plusieurs égards et j'aimerais en souligner quelques points et aussi vous poser quelques questions qui me sont venues à l'esprit lors de la préparation de cette intervention. Soulignons tout d'abord le caractère international de votre expérience. Vous avez participé et participez encore à une aventure internationale en microgravité. Les résultats acquis lors de votre séjour dans la station pourront être comparés à ceux acquis par d'autres astronautes, russes, américains, japonais ou autres, qui, comme vous, ont séjourné ou séjourneront dans cette station. Cette dimension internationale des analyses effectuées leur donne une valeur incontestable. Le caractère original de votre expérience, on l'a dit, on l'a écrit, les séjours dans l'espace permettent des expériences originales parce que réalisées en microgravité. Elles permettent notamment d'analyser le vieillissement qui se manifeste au niveau des muscles. Ce vieillissement accéléré des muscles qui se produit en microgravité, malgré les 2 heures au moins de sport que les astronautes réalisent quotidiennement, est bien sûr réversible. On ne peut qu'espérer que les résultats de vos travaux pourront nous donner la clé de cette réversibilité. Les séjours dans l'espace induisent aussi des changements sur la structure des os. L'étude du vieillissement des os et des façons d'y remédier sur les astronautes rentrés d'un séjour dans l'espace ou lors de leur séjour vont permettre d'appréhender d'autres types de dégradation des os, telles que l'ostéoporose, une pathologie qui affecte non seulement les femmes, près de 3 millions de femmes en France en ce moment, mais aussi les hommes. Ces résultats aussi seront très informatifs. Le cœur est affecté par l'apesanteur. Ou plutôt, on constate un vieillissement accéléré des artères en conditions de microgravité ou d'apesanteur. Les artères deviennent moins souples, amortissent moins le flux sanguin, d'où des recherches pour contrecarrer ces événements chez les astronautes jeunes qui permettront dans le futur, j'en suis sûre, de soigner des patients alités ou plus âgés. Bien sûr, les expériences réalisées dans la station ne le sont pas uniquement sur l'astronaute qui a accepté de partir. La station comporte plusieurs espaces dédiés aux recherches et l'espace dédié aux recherches en biologie, aux sciences du vivant s'appelle Columbus. J'imagine que vous allez nous en parler. Avez-vous vous-même participé aux recherches sur les surfaces intelligentes qui, par exemple, empêchent la formation des biofilms, ces structures composées d'assemblées bactériennes qui s'enrobent dans une sorte de coque imperméable aux détergents et aux antibiotiques? Enfin, les expériences réalisées en station forcent l'autonomie et la miniaturisation. Autonomie, car vivre à des milliers de kilomètres de la Terre nécessite une bonne organisation. Miniaturisation, on en a parlé. En effet, la station, même si elle est de grande dimension, est un espace de taille très réduite, restreinte, qui force la mise au point d'outils miniatures, que ces outils soient des ustensiles de la vie quotidienne ou qu'ils permettent de réaliser rapidement des diagnostics de composition, de qualité sur certaines substances, certains liquides. Toutes ces avancées devraient être très utiles en d'autres circonstances. Cher Thomas Pesquet, nous sommes tous convaincus que vous avez observé des tas de choses, que vous avez réalisé des tas d'expériences en microgravité. Nous avons tous en tête de nombreuses questions. En voici une dernière. À l'heure où l'on ne parle que de microbiote intestinal, je me demandais si vous aviez analysé votre microbiote intestinal avant de partir et à votre retour. Je suis sûre que, comme moi, tous les scientifiques de cette salle, les non-scientifiques ou les scientifiques en herbe, et ils sont nombreux aujourd'hui, attendent avec impatience votre intervention. Merci d'avoir fait participer la France à cette grande aventure internationale et merci d'être venu aujourd'hui. Merci. J'appelle à présent Yves Lévy, président-directeur général de l'INSERM.
Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Vice-président, Mesdames les secrétaires perpétuels, Mesdames, Messieurs les académiciens, Monsieur le Président du CNES, cher Jean-Yves Le Gall, cher Thomas Pesquet, cher Oleg Novitski, Mesdames et Messieurs les lycéens, je suis très très heureux aujourd'hui d'être là au nom de l'INSERM et pour accueillir Thomas Pesquet et aussi d'échanger avec vous et les lycéens dans le cadre de cette fête de la science. Très heureux parce que cette mission, qui a fait rêver effectivement, je crois, le monde entier et aussi la France, nous a fait partager quand même des aventures extraordinaires et que Thomas Pesquet sait aussi et a aussi accepté de participer à la grande avancée qui est l'avancée des connaissances pour la médecine et améliorer la médecine. Ça se place aussi dans une collaboration entre deux institutions importantes que sont le CNES et l'INSERM, et dans le cadre de notre collaboration que nous avons signée ensemble l'année dernière sous l'égide du président de la République, François Hollande. Alors pourquoi cette collaboration entre deux instituts ? Parce que l'espace et la santé sont des domaines de connaissance et d'innovation qui convergent et qui vont au-delà de leur propre discipline et qui ont des interactions et des domaines d'innovation extrêmement importants. Et donc pour l'INSERM, cette collaboration avec le CNES a une importance évidente puisque les avancées technologiques de l'espace peuvent avoir des retombées aussi sur les outils que nous aurons besoin, dont nous aurons besoin pour la médecine du futur. Thomas Pesquet, en revenant, a dit « La Terre est très belle, elle est très fragile et c'est une autre manière de voir la Terre que d'être évidemment là-haut. Mais c'est aussi, et on l'espère avec les retombées de ces expériences, une autre manière de voir la physiologie et la santé avec les expériences qui sont faites dans un environnement particulier. » Alors il y a deux aspects dans ce que nous avons voulu faire. Le premier, il est évident, c'est celui de la santé des astronautes. C'est la médecine dans l'espace et c'est aussi surveiller ce qui se passe pour les astronautes. Mais c'est aussi déjà des avancées technologiques qui peuvent influencer des questions aujourd'hui sur Terre. Car de capter un certain nombre de données, de recueillir un certain nombre d'informations et de pouvoir les transmettre quasiment en temps réel sur Terre, c'est évidemment les fondements de la télémédecine et c'est ce que nous essayons de développer déjà sur Terre. Si nous sommes capables de recueillir des données venant de milliers de kilomètres, on doit pouvoir être capable d'installer cela sur Terre et de réaliser la télémédecine qui est très importante pour les déserts médicaux. C'est aussi un lieu d'investigation unique pour les questions qui ont déjà été évoquées, c'est de comprendre la physiologie des terriens que nous sommes et nous ne serons jamais dans cet environnement, mais cet environnement, l'hypothèse qui a été posée, c'est qu'il accélère un certain nombre de processus et que donc cela nous permet peut-être de raccourcir le temps pour comprendre un certain nombre d'événements pathologiques. Alors, 3 ou 4 unités de l'INSERM, donc des équipes de recherche de l'INSERM, ont été directement impliquées dans ces recherches. On les a évoquées, que ce soit les domaines de la neurologie, de l'équilibre, des domaines qui concernent aussi l'accélération des phénomènes cardiaques, ou du vieillissement des os ou des muscles. Toutes ces données vont être importantes pour comprendre, mais surtout aussi pour trouver des avancées et des traitements. Car si on accélère et que l'absence de gravité peut accélérer des processus, peut-être que l'on peut aussi en tirer des informations et des conclusions pour améliorer ou pour prévenir ces processus du vieillissement accéléré. Le troisième aspect important, c'est l'innovation. Et à la question qui était posée tout à l'heure par quelques journalistes que nous avons rencontrés, c'est quelles sont les retombées ? Il y a pour l'INSERM des retombées importantes qui sont ces avancées technologiques qui permettent de répondre à des questions aux personnes qui sont dans l'espace et qui nous permettent de les transposer sur Terre. Par exemple, les pompes cardiaques, les pacemakers, les appareils d'échographie, les appareils d'ultrasons sont des retombées que nous utilisons tous les jours en médecine et qui sont aussi issus de ces avancées technologiques qui ont été importantes pour l'espace. L'autre aspect, et je crois que sous cette coupole, c'est peut-être important de faire le lien entre cet événement et ce qui s'est passé dans l'espace et ce qui s'est passé il y a une semaine au niveau mondial, c'est l'attribution des prix Nobel, des prix Nobel qui ont été des chercheurs qui ont mis en évidence ce que l'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire ce qui nous apprend et nous fait comprendre comment nous nous adaptons à la veille et au sommeil. Et donc, ces chercheurs qui ont mis en évidence ces mécanismes, évidemment, leurs recherches ont un impact
et ils l'ont analysé sur Terre. Et ces phénomènes sont régulés de manière extraordinairement fine. Et il y a des expériences qui ont été faites aussi sur la veille et le sommeil au niveau de l'espace, en dehors de ces moments où il y a une alternance, comme sur Terre, du jour et de la nuit. Et donc tous ces éléments vont nous permettre aujourd'hui d'avancer dans la compréhension de mécanismes. Et je pense que ces prix Nobel n'ont jamais imaginé à confronter leurs données sur Terre, évidemment dans des situations qui sont indépendantes de cette alternance du jour et de la nuit. Donc pour tout cela, je voudrais remercier le CNES de nous avoir embarqués dans cette aventure. Je voudrais remercier les équipes de l'INSERM qui sont sur des domaines de recherche extraordinairement difficiles. On le comprend, ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir accès à ces données et organiser ces voyages. Et aussi remercier Thomas Pesquet pour le travail qu'il a voulu faire. Alors, ce que je voudrais proposer, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir statutairement, mais j'ai envie de le faire, c'est de proposer le titre de directeur de recherche à l'INSERM à Thomas Pesquet, car il a été un chercheur tout à fait assidu, qui a fait un certain nombre d'expériences remarquables dans des conditions exceptionnelles, et qu'à ce titre, on doit au moins à l'INSERM lui reconnaître directement un prix de plus par rapport à un CV déjà exceptionnel. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Jean-Yves Le Gall, président du CNES. Monsieur le président de l'Académie des sciences, monsieur le vice-président, mesdames les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs les académiciens, monsieur le président directeur général de l'INSERM, cher Yves Lévy, cher Thomas, Vajayem Oleg, mesdames et messieurs, chers amis, chers étudiants, chers lycéens, c'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui sous la coupole avec l'Académie et de pouvoir aborder en présence de Thomas et Oleg, j'étais déjà ici il y a quelques mois, mais nous parlions par satellite interposé, mais donc de pouvoir aborder aujourd'hui une thématique qui nous tient à tous particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de l'espace pour les jeunes. Et cet honneur est d'autant plus grand que nous avons avec nous aujourd'hui, avec un spationaute, un cosmonaute, donc deux astronautes pour être œcuméniques, les meilleurs ambassadeurs possibles sur ce sujet. Comme vous le savez, au-delà de sa mission d'inventer l'espace de demain, l'une des ambitions du CNES est de contribuer à attirer les jeunes vers les carrières scientifiques. Je pense que si les étudiants et les lycéens sont ici aujourd'hui, c'est parce que déjà ils sont particulièrement intéressés à cela. Et pour cela, le CNES mène différentes actions de sensibilisation, d'expérimentation et de formation. Nous mettons à disposition des ressources pour un large public, de la documentation ou encore des animations techniques. Et pour expérimenter, nous proposons des projets éducatifs en classe ou en club dans les domaines de l'environnement, de l'étude des océans, de l'atmosphère, des terres émergées avec l'utilisation de données satellites. Nous développons aussi des expériences sur des fusées expérimentales, des ballons stratosphériques ou en lien avec les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Et donc nous l'avons fait ici sous la coupole et quelques semaines plus tard, j'avais eu l'honneur de mettre en communication Thomas et le président de la République, François Hollande, alors que nous étions à Vaux-en-Velin au sein d'une école. Nous organisons des rencontres autour de ces projets éducatifs, des manifestations, des campagnes spécifiques comme le C-Space pour les fusées ou des vols 0G en micro-pesanteur. Et nous formons aussi les enseignants et les médiateurs grâce à l'université d'été qui s'appelle Espace et Éducation. Le spatial est en fait au carrefour d'enjeux majeurs, stratégiques, économiques, scientifiques, techniques ou encore éthiques. Mais ces enjeux, j'en suis convaincu, doivent être connus des jeunes étudiants, de leur encadrement. Ainsi, pour la quatrième année consécutive, le CNES, en partenariat avec l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, la région Occitanie et le pôle Aerospace Valley, a créé Universpace, qui est une université d'été des systèmes orbitaux.
Nous avons aussi un site internet dédié. Il reçoit actuellement 240 000 visiteurs chaque année. 200 000 jeunes sont sensibilisés. 50 000 sont directement impliqués dans diverses manifestations. Et nous avons le privilège de former 2 000 enseignants. Donc, vous le voyez, les chiffres parlent pour eux-mêmes. C'est une activité avec une très grande ampleur. On travaille bien sûr en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, les académies. Je remercie une fois encore l'Académie des sciences de mettre un coup de projecteur sur le spatial, les associations scientifiques, les musées, les centres culturels comme la Cité de l'espace. Un autre point qui est important, ce sont les doctorants et les postdoctorants. Nous apportons un soutien très fort aux jeunes chercheurs par le cofinancement de plus de 100 allocations de recherche par an. Il s'agit en fait de contribuer à la préparation de thèses liées au spatial dans les laboratoires de recherche français, de favoriser l'insertion dans les organismes de recherche de jeunes chercheurs impliqués dans les problématiques spatiales. Et je peux vous dire que je suis très fier d'avoir commencé ma carrière comme chercheur et de l'avoir commencé grâce à une bourse du CNES avec laquelle j'ai fait ma thèse. Donc ça montre que quand on a une bourse du CNES pour faire une thèse, eh bien, on peut se retrouver non pas astronaute, mais président du CNES. Donc, pour cela, nous organisons des journées d'accueil, dont la dernière édition s'est d'ailleurs tenue la semaine dernière à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et nous allons aller un pas plus loin parce que cette mission de diffusion de la science est l'une des plus emblématiques que conduit le CNES et j'en suis convaincu, l'une des plus utiles. Et c'est pour cela que j'ai décidé, à l'initiative de Catherine Cesarski, que je remercie, et avec le soutien de Catherine Bréchignac, de créer à l'Académie un prix annuel du CNES que nous avons décidé d'appeler Astrophysique et Sciences Spatiales, qui visera à récompenser une personne ou une équipe choisie par les académiciens de la section des sciences de l'univers à compter de l'année prochaine. Et pour toute la communauté scientifique, eh bien, ce prix sera, j'en suis certain, une raison de plus de tout faire pour inventer l'espace de demain. Je vous remercie.